Hello les amis, comment ça va? Eh bien, regardez ce beau temps mi-février, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'en ai profité pour faire quelques petites images de drone dans une base de loisirs qui est pas loin de chez nous, Jablin, pour ceux qui se connaissent. Et c'est surtout un endroit où, eh bien, on est autorisé à voler avec les drones. Donc sur la carte, c'est même tout blanc, donc il n'y a pas d'altitude limitée, donc c'est parfait. Qu'est-ce que c'est sympa ici, c'est calme, c'est reposant. Et en plus avec ce beau temps, donc je suis venu en moto. En moto et avec une nouvelle moto. Donc la Triumph des 120 a une petite sœur. Hein, une petite sœur plus dédiée pour la balade. Et plus dédié aussi pour ce qu'on affectionne tout particulièrement en ce moment, c'est le camping-car et la moto. Pour anecdote, au mois de septembre, comme vous savez, on a été en Corse. Et même si j'adore ma moto, j'adore cette Triumph T120, j'adore la marque Triumph, on a été quelques fois frustrés lorsqu'on se baladait sur le littoral. On voyait des petits chemins qui amenaient, on est sûr que ça amenait à des petites plages et tout. Mais malheureusement, avec cette moto, j'ai pas trop osé y aller. C'est une moto qui n'est pas faite pour ça, elle n'a pas les pneus pour. Et donc en rentrant, je m'étais quand même. J'avais envie de regarder ce qui se faisait pour répondre plus à un cahier des charges lié à l'activité du camping-car et de la moto. Donc en fait, ce cahier des charges, c'est tout simplement une moto qui passe un peu partout, qui est un peu adaptée pour faire de la route, mais de la petite route tranquille. Hein, je ne demande pas une super grosse cylindrée, moyenne cylindrée, 400-500 cm3, avec un beau couple. Hein, et puis, qui a une capacité de chargement assez élevée, parce qu'en camping-car, eh bien, il faut aller faire des courses. Et quand on est posé, on n'a surtout pas envie de bouger le camping-car. Donc voilà, et puis, bon, évidemment, pas cher, parce que le but c'était aussi de garder ma Triumph, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et on est tombé sur la Royal Enfield Himalayan, pour ceux qui connaissent.
Donc Royal Enfield est une marque indienne, plus connue avec leur moto classique, rétro classique, très vintage. Royal Enfield est en train de changer un petit peu, donc ils font bien sûr toujours ces motos-là, mais ils sont en train de sortir des nouvelles motos, dont une Himalayan 410 cm3. Donc évidemment, 410 cm3, on ne va pas faire des folies avec ça. Et surtout, 25 chevaux, donc vous pensez. Mais ça a rempli totalement mon cahier des charges. Je suis amoureux de cette petite moto. Je vais vous la montrer en vidéo. Et pour la mettre derrière le camping-car, je crois que c'est vraiment le top. C'est très léger, ça se monte impeccable. En plus, sur ma nouvelle remorque, que vous verrez aussi sur une prochaine vidéo. Donc c'est parfait ce qu'on veut en faire. Ça passe partout, ça a un couple phénoménal. Bon, 25 chevaux, c'est pas non plus un foot de guerre, hein, mais c'est un super couple. Donc voilà, on va aller la visiter. Enfin, la visiter, on va aller la voir.